Jéhovah, Saint Jésus-Christ, Saint Saint-Michel, Saint. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Saint. Bénis ta parole, Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Église de Dieu vivant, l'appui et la colonne de la vérité. C'est le thème de cette semaine. 1 Timothée chapitre 3, le verset 15 à 16 sera le test de base de notre thématique. Allez-y. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Alléluia. Alléluia. L'Église de Dieu vivant, l'appui et la colonne de la vérité. L'Église est un édifice où les chrétiens célèbrent leur culte. Et depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, Dieu voulait habiter parmi les hommes pour les aider à lui être agréable et lui rendre un culte raisonnable. Pour ce, il doit se faire un peuple d'abord. Alléluia. Alléluia. En passant par Abraham, Isaac et Jacob, Dieu a acquis un peuple par le biais des 12 tribus d'Israël. Après 430 ans, Dieu les a délivrés de la main de l'oppresseur. Passant par la mer Rouge, ils étaient tous baptisés. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 1-2. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé par au travers de la mer. Qu'ils ont tous été baptisés. Ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Et dans la mer, merci. Donc après les avoir lavés, maintenant Dieu veut avoir sa demeure, c'est-à-dire sa maison au milieu de son peuple. Dieu disait à Moïse, Exode chapitre 25, le verset 1-2. L'Éternel parla à Moïse et dit. L'Éternel parla à Moïse et dit. Parle aux enfants d'Israël. Parle aux enfants d'Israël. Ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui le fera de bon cœur. Alléluia. Alléluia. Le verset 7 maintenant. Des pierres d'onyx et d'autres pierres. Ils ont apporté des pierres d'onyx et d'autres pierres pour l'ornement, oui. Et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Voilà, Dieu a dit à Moïse, je vais habiter au milieu de mon peuple. Donc tu dois me faire un sanctuaire. Et en ce temps, ils ont construit le tabernacle. Le tabernacle est un temple portatif. Le tabernacle veut dire la maison de Dieu au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Plus tard, Dieu ne voulait pas une maison. Dieu ne voulait plus une maison portative, mais une maison construite en bonne et due forme. C'est alors que Dieu s'est souvenu de la promesse qu'Israël avait faite à Judas, son fils. Dans Genèse chapitre 49, le verset 10, Israël disait, le sceptre ne s'éloignera point de Judas. Israël disait à Judas que le sceptre ne s'éloignera pas de Judas jusqu'à ni le bâton souverain d'entre ses pieds. Oui. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Voilà, donc cependant, la première maison construite pour Dieu s'appelle Shiloh. Shiloh signifie celui à qui est le centre, c'est-à-dire c'est à quelqu'un. Donc Jacob disait à son fils, le sceptre ne se loyera pas de Judas jusqu'à l'arrivée de Shiloh, c'est-à-dire Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. La première maison locale de Dieu a été détruite faute de désobéissance. Élie et ses enfants. 1 Samuel chapitre 3, le verset 21.
L'Éternel continuait à apparaître dans Shiloh, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Shiloh par la parole de l'Éternel. Élie et ses fils n'ont pas compris la pensée de Dieu pour sa maison. Alléluia. Alléluia. Car la maison doit être une maison de révélation et de communion avec Dieu. Et de communion avec Dieu. La parole de Dieu déclare, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Élie et ses enfants n'étaient plus dans la révélation de Dieu. Élie et ses enfants, ils étaient sur la terre, eux ne pensaient pas que Dieu a créé sa maison pour refléter l'image du ciel. Pendant qu'Élie et ses enfants, pendant que les enfants d'Élie, Ophni et Phinéas étaient en guerre, mouraient en guerre avec l'âche, Dieu était dans sa maison, parlait avec Samuel. Lisez-nous ça, le verset 21. L'Éternel continuait à apparaître dans Shiloh, car l'Éternel se révélait à Samuel. À Samuel, en ce temps, les enfants d'Élie, Ophni et Phinéas, ils étaient en guerre. Ils ont même transporté l'âche de Dieu. Or que Dieu n'était plus dans l'âche, Dieu était dans sa maison en train de causer avec Samuel. Parler avec les humains, les transformer par sa parole. C'est l'objectif de Dieu pour sa maison. Alléluia. Alléluia. Pendant qu'ils étaient là-bas, Dieu parlait avec Samuel. Car c'était son objectif pour sa maison. Comment parler avec les hommes, les transformer, chers chrétiens? Il n'y en aura jamais la communion sans la communication. Dieu a créé sa maison pour communiquer avec les hommes. Dieu aime trop causer. Depuis le jardin d'Éden, le soir, il venait causer avec ses créatures. Jérémie 1, le verset 15 à 19. Car voici, je vais appeler tous les peuples des royaumes du septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes. À l'entrée des portes, chacun leur siège pour écouter l'oracle de Dieu. Vas-y. Contre ces murailles, tout alentour et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté. Voilà, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux. Et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. C'est l'objectif visé de Dieu pour sa maison. Comment parler des lamentations pour pouvoir recadrer son peuple? Continue, le verset 19. Il a dit à Jérémie, ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Et c'est ce qui se passe dans l'église aujourd'hui. On aime parler de tout, mais ça, c'est-à-dire manquer le but. C'est ça. Dans l'Ancien Testament, on parle de la maison de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, on parle de l'église. Alléluia. Alléluia. Le verset 19, relis-moi ça. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Voilà. Parce que tu es dans mon alliance. Dans l'Ancien Testament, on parle de la maison de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, maintenant, on parle de l'Église. L'Église veut dire sept choses. L'Église veut dire, premièrement, la maison de Dieu. L'Église veut dire le corps du Christ. Alléluia. Alléluia. L'Église veut dire une place d'adoration. On veut adorer Dieu. Tu quittes là-bas, mais là, il y a un lieu pour l'adoration. La première fois que le mot adoration a figuré dans la Bible, Abraham séparait avec ses serviteurs. Et il y a un lieu pour adorer Dieu. Il a dit, je vais là-bas avec l'enfant pour adorer Dieu. Alléluia. Alléluia. Quatrièmement, l'église est une école de vie ou une école spirituelle. Dans le monde, on a des écoles, mais pour apprendre des choses de la terre. Mais à l'église, dans la maison de Dieu, on veut apprendre l'eschatologie, les choses qui touchent le ciel. Cinquièmement, l'église est un centre d'entraînement pour les ministères. Tu es un prédicateur, l'autre est un visionnaire. Là où il va perfectionner, là où il va faire des entraînements pour pouvoir avoir un bon ministère. C'est là qu'on appelle l'église. Sixièmement, une place de délivrance des esprits mauvais. Il y a des esprits qui ne peuvent pas te quitter sans que tu ne viennes à l'église. Dans ta maison, non. Mais l'église est une place de délivrance. Septièmement, l'église est le lien entre le ciel et la terre. Genèse chapitre 28, le verset 12. Il eut un songe. Jacob, lorsqu'il fuyait son frère, il eut un songe. Allez-y. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre.
et son sommet touchait au ciel. Oui. Et voici les anges de Dieu montaient, de Dieu montaient et descendaient, par, et cette descendaient par cette échelle. Oui. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus des ciels. Oui. Et il dit, regardez la place de l'Éternel au-dessus, pas au-dessous, au-dessus de l'échelle, il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Oui. La terre sur laquelle tu es couché, oui, je la donnerai à toi et à ta postérité. Verset 16 maintenant. Jacob se réveilla de son sommeil, mm-hmm, et dit, et dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Moi, je ne le savais pas. Comment l'Éternel qui est omnipotent, omniprésent, omniscient, il dit, il est en ce lieu. Moi, je ne le savais pas. C'est-à-dire, c'est la maison de Dieu, la porte du ciel. Continue. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. Voilà, oui, voilà. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la maison de Dieu. Et c'est là, on appelle Bethel. Alléluia. Alléluia. La maison de Dieu. Matthieu chapitre 16, le verset 18. Jésus a déclaré quelque chose lorsqu'il parlait avec ses disciples qu'ils ne comprenaient pas en ce temps. Matthieu chapitre 16, le verset 18. À Césarée de Philippe, Jésus-Christ a fait une grande déclaration qu'il bâtirait son église. Il s'agit de quelle église? C'est pour la première fois que les disciples ont entendu ce mot. Allez-y. Et moi, oui, je te dis que tu es Pierre. Tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai. Il a dit, je bâtirai mon église. Ce n'est pas maintenant, mais je bâtirai mon église. Vas-y. Et que les portes du séjour des morts, oui, ne prévaudront pas point contre elles. Cependant, les apôtres ne pouvaient comprendre exactement c'était quoi une église. Alléluia. Alléluia. Puisqu'à cette époque, aucune église n'existait. Il y avait des synagogues, il y avait des choses par-ci par-là. Mais qu'est-ce que Jésus voulait dire exactement par une église? Il a dit, je bâtirai. Donc l'église existera après son œuvre salvatrice à Golgotha. Alléluia. Alléluia. L'église a commencé le jour de Pentecôte. Le jour de Pentecôte que l'église a commencé, nous devons comprendre que sans le Saint-Esprit, il est impossible de parler d'église. Sans le Saint-Esprit, ça, l'église devient une boîte de nuit sans le Saint-Esprit. De nos jours, nous voyons l'église vit une des plus graves épidémies spirituelles. Alléluia. 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 C'est-à-dire une confusion et une désorientation doctrinale. Aujourd'hui, il y a des dogmes de l'Église. Les dogmes, mais pas la doctrine. La doctrine, c'est la parole de Dieu. Ce fait représente un danger sérieux et contagieux pour la santé spirituelle et pour le salut éternel de beaucoup d'âmes. On vient aujourd'hui à l'Église, il y a des pas de danse, il y a des choses par-ci, par-là. On fait tout, mais sauf l'essentiel. Alléluia. Alléluia. Écoutez, chers frères et sœurs, l'Église est un atelier de Dieu pour transformer les âmes par sa parole et son esprit. Alléluia. Alléluia. 1 Roi chapitre 7, le verset 21. Il dressa les colonnes dans les portiques du temple. Salomon, lorsqu'il avait construit le temple de Dieu, il a fait deux colonnes dans le temple. Allez-y. Il dressa la colonne de droite et la nomma Jakin. Colonne de droite, il a nommé quoi? Jacquet. Jacquet qui veut dire la promesse de Dieu, symbole de Jésus-Christ. Continue, à droite et à gauche. Puis il dressa la colonne de gauche. Colonne de gauche, il nomma Boaz. Alléluia. Alléluia. Qui veut dire la force de Dieu, qui symbolise le Saint-Esprit. Donc, l'Église est de Dieu vivant, l'appui est la colonne de la vérité. Alléluia. Alléluia. C'est ça le thème. L'église de Dieu vivant, c'est aussi l'endroit où on doit trouver la vérité. L'église elle-même n'est pas la vérité, mais l'appui est la colonne de la vérité. L'église elle-même n'est pas la vérité. Donc, si tu confonds, tu rentres dans une église, on peut t'arnaquer. L'église elle-même n'est pas la vérité, mais l'appui est la colonne de la vérité. La vérité est la parole de Dieu.
Rentrer dans une église ne veut pas dire que tu es sauvé. Tu dois accepter la parole. Jean 17, le verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Jésus même a dit, Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. L'église n'est pas la vérité. L'église contient la vérité. Tu viens à l'église, c'est là on doit te donner la vérité. L'église doit annoncer la saine doctrine. Et non les dogmes. Comment on allume bougie sur l'autel. Comment on casse l'œuf. Comment on brise les canaries. Non, c'est des dogmes de l'église. Comment on attache sangle, côté droit, côté gauche, devant, derrière. Attention, ça c'est des dogmes de l'église. Ça ne sauve personne. C'est la vérité qui sauve. Le texte lu, 1 Timothée chapitre 3, le verset 15. Écoutez ce que, par l'aide du Saint-Esprit, ce que l'apôtre Paul disait à Timothée, son fils bien-aimé. Mais afin que tu saches, oui? Si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Alléluia. Qui est l'église du Dieu vivant. Qui est l'église de Dieu vivant. L'apôtre Paul était inspiré par le Saint-Esprit, présente l'église comme une colonne. Continue. La colonne est l'appui de la vérité. La colonne est l'appui de la vérité. Mais si ta Bible, si c'est ta Bible, souligne la colonne et l'appui de la vérité. Cette image évoque plusieurs aspects du témoignage que l'Église est appelée à donner dans ce monde. Appui, colonne et appui. Si nous prenons une colonne, premièrement, une colonne est faite des matériaux solide, robuste. C'est sa colonne. Ceci nous rappelle que l'Église doit donner le témoignage d'une résistance face aux épreuves. Apocalypse chapitre 2, le verset 3. Écoutez la parole de Dieu. Que tu as de la persévérance. Dieu dit à l'Église, il dit, je sais que tu as de la persévérance. Que tu as souffert à cause de mon nom. Oui. Et que tu ne t'es point lassé. Mmh. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ton premier amour, la parole, tu as abandonné. Maintenant, tu as acquis le grade de dérotant directement suprême. Ton amour de départ, la parole de Dieu, tu venais à l'église avec une Bible. Aujourd'hui, tu viens à l'église avec des bidons d'eau. Des bidons d'eau, des bougies attachées. Mais où est ta Bible? Le verset 13. Je sais où tu demeures. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Oui. Malgré ça, le trône de Satan est là. Malgré ça, tu résistes. Continue. Tu retiens mon nom. Oui. Et tu n'as pas renié ma foi. Tu n'as pas renié la foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous. Là où Satan a sa demeure. Merci. Donc l'Église doit donner le témoignage d'une résistance face aux épreuves. Alléluia. Alléluia. Deuxièmement, la colonne nous parle de droiture, de fermeté morale. Quand on voit une colonne debout, ça nous parle de la droiture. Les croyants doivent être des modèles dans ce monde. Alléluia. Alléluia. Il disait, vous êtes la lumière du monde. Matthieu chapitre 5. Vous êtes la lumière du monde. Le verset 13. Vous êtes quoi? Vous êtes la lumière du monde. La lumière du monde. Oui. Une ville située sur une montagne. Ne peut être cachée. Impossible. Alléluia. Alléluia. Troisièmement, qu'est-ce qu'une colonne nous montre? La colonne a sa base sur la terre et son sommet vers le ciel. Alléluia. Alléluia. Une colonne a sa base sur la terre, mais son sommet vers le ciel. L'Église est dans le monde, mais ses regards sont tournés vers l'espérance glorieuse qui vient. De qui? Qui vient d'en haut. Nous avons les pieds sur terre, mais la tête dans le ciel. Alléluia. 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 Voilà pourquoi il nous est donné de nous attacher aux choses d'en haut. Colossiens, chapitre 3, le verset 2. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, oui, cherchez les choses d'en haut. Nous devons chercher les choses d'où? D'en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Mais aujourd'hui, l'Église cherche quoi? Voiture, maison, grade. On cherche quoi? Voyage, mariage. Alléluia. Alléluia. L'Église de Dieu vivant ne cherche pas les choses qui sont sur la terre. Mais quoi? Les choses qui sont dans les cieux.
Joseph, un homme spirituel, on l'a montré premier songe, il a vu quoi? La terre. Mais deuxième songe, il a vu quoi? Le ciel. Alléluia. Alléluia. Quatrièmement, l'un des rôles des colonnes, c'est de supporter des charges. L'Église, en ce sens, c'est-à-dire, l'Église doit rassembler des personnes prêtes à supporter des fardeaux des autres. La meilleure prière, c'est la prière d'intercession. Nous devons prier pour les autres. Et non de prier pour nous-mêmes. Fais-moi ci, fais-moi ça. Galates 6, le verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres. Portez les fardeaux les uns les autres. Voilà le rôle d'une colonne. Une colonne porte la charge la charge des autres briques. Même de la dalle. Le verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres. Oui. Et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. La loi du Christ. Colossiens chapitre 3, le verset 13 maintenant. Supportez-vous les uns les autres. Oui. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, oui. Pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Voilà. Pardonnez-vous aussi. Le pardon a déserté le forum maintenant dans l'église. Il n'y a plus le pardon. Alléluia. Cinquièmement, les colonnes se trouvent généralement dans la structure d'un grand bâtiment. Elles ne sont jamais isolées. C'est-à-dire, nous devons rester ensemble. Ensemble, nous serons plus forts. L'Église est le lieu de la communion fraternelle qui nous édifie les uns les autres. L'Église céleste ne doit pas contre l'Église catholique. L'Église catholique ne doit pas contre l'Église évangélique. L'Église évangélique ne doit pas contre les protestants. Non, ensemble, nous serons forts. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jéhovah. Saint. Jésus-Christ. Saint. Saint-Michel. Saint. Seigneur, ta parole a été libérée. Seigneur. Bénis les cœurs. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Alléluia.